y a un policier qui débarque dans rue Grande Plaine dans Croix des Bouquets. Il présente le comme un policier. Écoutez, il t'a pas le tuer, va y nèg yo qui t'a prendre, l'aime dit nèg yo, m'a parlé de 400 marzo. OK. Il dit le besoin l'en mort. Un policier. Il besoin ouais ak l'en mort sans jour. L'elle dit le besoin l'en mort nèg yo pas tuer encore. L'elle l'en mort débarqué. Il dit l'en mort il gain problème. Tendez bien mes amis auditeurs. Donc on est policier même. Oh oh. Les l'en mort débarqué, il dit l'en mort il gain problème. Il gain 4 petits. Et de voilà cette petite ça. Maman le malade, pas connait, maman le malade. Vagabond. Kylie Boot dit la difficulté. Autrement dit la sollicité aide l'en mort sans jour. L'abdeyo. Yes. L'abdeyo. Bon où est ça? Est-ce que ça fait n'importe bagaille monsieur? L'en mort sans jour, dans cob nèg yo fait recette pendant journée, ba monsieur 100 000 gouttes. Plus cob américain par contre combien que le débat était déplacé ensemble avec lui. On a monsieur trois frères ce jour même. Donc on policier comme ça. Bon me dit parole Isaïe César. On policier comme ça. Un nom, mon cher, il est bon facile. Il dit non oui mais sous peut pas gagner. On policier comme ça. Écoutez. Ça peut pas pour nation. Très bien. On policier comme ça. Est-ce qu'on prend dimension ça Isaïe, est-ce qu'on prend ou prend dimension? On policier comme ça, monsieur. Tenez bien. La police prend une opération. Dans le retranchement, dans le Mossanjou. Dans le retranchement, 400 marins. Et puis, il y a une opération. Bon, même s'il pas allé. Il connaît seulement. Depuis, il connaît seulement. Claire. Frère dame Lio, non seulement opération envoie à l'échec, mais frère dame Lio risque de quitter pour lui. Claire. Mais qui modèle la police? Moi-même, ça fait moi-même, ouais, je dis, je suis plus envie de dire pour être prudent. Non, j'ai communiqué avec l'autorité policière que moi-même, c'est normal, lui, pour la police, pour la population, t'as accompagné, pas t'as non, accompagné la police là. Mais là, on essaye de policier ça, monsieur, dans l'institution. Ouais, moun qui t'a voulu aider la police là, il n'est pas vivre longtemps. Il va vivre long. Bon, mon policier, son policier consa lui-même personnellement katouye moun. Quelle soit dit à la grave en pile. Oh oh. Et dans matin débat me dit, me connait côté me dit. Tellement de l'en mort son jour l'argent. Pour payer caille. Pour qu'il me petite quatre petites, mais comme si on devait le faire petite. Est-ce que pendant dit là, est-ce qu'on est un policier qui mourit samedi a passé soit lundi après-midi ou bien mardi m'quoi hier moi pas là mais mardi après-midi. Mardi après-midi. C'est débarqué dans la base de la Mossanjou. Dans rue Grande Plaine pour mon qui connait Grande Plaine débarqué dans raquette dans rue qui en face dans entrée qui en face lycée Jacques Premier quoi des bouquets. Bon ça pour dire pas policier ça même et pas une dans policier pareil ça qui te bail antenne sous inspecteur divisionnaire. Ya ça nèg te coupé main là. Ça a été touillé et sous sous Marassa. Non. Monsieur. Il était dans l'investigation. Il était dans la circulation. Circulation. Moi, je suis un petit gouave. Monsieur, dans tout le pays. Pété Gary Goni, non? Et résultat que le pays a besoin pour que Bagayo commence à refonctionner normalement. Pas de problème que la police rentre à bataille avec gang, nous avons dit ça tout à l'heure déjà. Bien que semaine dernière là, nous t'expliquions ça, nous réservons le droit pour que nous parler de opération hein, sitôt que la police présente bilan. Ouais. Nous ne parlons pas de technicité, nous ne parlons pas de détail. Même si nous avons de l'information, comme journaliste, nous avons qu'un BO jusqu'à ce que la police finisse le travail là. Mais en même temps, tout guerrier, dans la réflexion que nous avons fait, nous disons que c'est vrai qu'il faut que la police rentrer, bataille avec gang à sa patte là, éliminer et puis récupérer territoire que l'État est d'accord concéder à bandit, nous battons bravo là contentement pour ça. Mais est-ce que ça veut dire que, sitôt que la police touille bandit, hein, problème gangsterisation, il finit automatiquement en dedans quartier ça? Nous ne répondons pas à des hypothèses. Et il y a une hypothèse que nous avons posée, guerrier, c'est que, ça ne va pas dire ça. Non. Ça ne va pas dire ça parce que
En pile fois gen deux moun malheureusement comprendre que gang nan c'est seulement les gars examen qui souterrain, mais gang nan son structure qui gen plusieurs composantes, son machine ou ta dit qui bien et builé et qui a marché. Les gon composantes économique et financière là-dedans, ça veut dire que gen deux gros intérêts économiques souterrain, deux nèg qui décider pour une raison bien pour l'autre. Instabilité ou bien chaos incapable bon pour les financer ça qu'a fait souterrain là puisque pas oublier que n'a vivre dans pays côté que trois quarts monde ou bien majorité population là vivant des sous du seuil de pauvreté moins de $2 américains par jour on est qui gon sapat nan piel cap qu'un bon zam $45,000 américains et cap fait 2 heures de temps à tirer cartouche qui vend 10 15 20 dollars américains. En plus de ça tout, ou gon l'autre composante qui est important, c'est composante politique là, c'est m'dakare le comme ça. Et l'aime dit politique là, m'inclut de monde qui est au plus haut niveau de l'État, de monde qui est dans l'État, pas comme VIP, mais de monde qui a travaillé qui connaît le système non. De monde qui est dans des partis politiques qui pas dans l'État, de monde qui est dans la société civile là en général. Et moi pas souhaité que gouvernement ou bien administration transition ça qui là prend en euphorie depuis l'entrée dans quartier et populaire les gourmets ensemble avec gang ils pensent que le résoudre problème là capable gagner un soulagement parce que gagne bandit tombé etc. mais problème n'a pas résoudre puisque gagne deux composantes ou t'es capable c'est au même qui origine problème là qui toujours été à savoir composante qui a financé et question gangsterisation et composante qui a protégé bandits en souterrain. Et puis gagné tout ça n'a carré les vulnérabilités hein, parce que le si jeune aurait été dans quartier populaire yo il pas y a possibilité pour apprendre au métier pas le travail et famille qui a perdu fête si monde tout ça donc c'est-à-dire yo vinn une possibilité pour joindre main d'œuvre là à bon marché là on a parlé de deux composantes oui, oui exactement exactement. Donc, ça veut dire que gouvernement, l'État doit comprendre que bataille contre l'insécurité, hein, c'est d'abord opération que la police a menée souterrain contre gang à sa patte là, et c'est en même temps tout, guerrier, opération que l'État, ou bien appareil l'État, doit être capable de mener contre gang à cravate et tout. Et ça fondamental. Parce que si dans l'approche que n'a fait contre problème sécurité nous pas garder aspect ça son problème qui pas résoudre et c'est ça qui fait que mon petit malaise le moins que au niveau de gouvernement et au niveau de CPT en tout bon comme il y a un mode blocage ces derniers temps m'a plus parlé pour gouvernement matin moi mon petit malaise le moins que gain de focus qui a sorti sur sécurité qui a mis sur l'autre et barré qui moins important dans le moment là par exemple moi premier ministre a fait des déplacements en pile ces derniers temps l'état au cap l'état dans le nord semaine passée hein? Presque développement de tête moi est-ce que c'était important vrai par rapport à ça gain là comme problème sécurité mais de toute façon parfois les balles trop chaud ici derrière il normal que depuis là gain moins déplacement oui les cal ressourcel quelque part nous admettre ça maintenant. Le par exemple, bataille la fête, j'aime ça d'abdil là, contre gang à sa patte là, faut qu'on tenu compte de gang à cravate là. Puisque, rapport est établi déjà. Tout le monde connaît que, gon rapport c'est NDDR qui sous bureau l'État déjà. 11 familles dans le pays qui a importé des armes, qui a importé cartouches. Et là, nous voulons parler de monde qui fait partie de composantes qui a financé sa guerre souterraine là. Il s'en est fallu de simple action de l'État pour que vous placez les gens en état de nuire, même gens que y a placé les bandits qui ont amené le souterrain en état de nuire. Parce que sinon, il y a pas le joindre même ressources encore pour faire même bagarre là, 5-10 ans après. Qui donc gagne à régénérer 5 ans, 10 ans après, dépendamment de qui était économique qui menacé. Et c'est ça qui est important pour que le Premier ministre la connaisse. C'est pas seulement garder les qui souterrain. Mais gardez l'autre monde autour qui a alimenté là. Parce que
perte que nous avons là, souterrain en guerrier. Son bail que nous ne pouvons pas mesurer, non? Non, jamais. Nous devons mettre pratiquement tout le temps dans le monde, nous ne pouvons pas mesurer perte ça, non? Donc, il faut que nous ayons un effort qui fait dans ce sens-là pour que nous attaquions. Nous devons commencer à prendre sanction. Nous avons un dossier dans nos mains. Mais pour qui ça que l'État a décidé que l'aspect ça ne peut pas toucher? On prend une élection, même composante qui est capable de financer la gangsterisation, capable de financer des candidats pour venir protéger l'intérêt dans la composante économique, dans la composante politique. Là. Et c'est là que que Gary Conny supposé penser sécurité hein, dans tout ça que l'a fait. Parce qu'en 18 mois, on ne peut pas manger tout le bagage. Ou pas qu'a fait réforme judiciaire en 18 mois. Ou pas qu'a fait réforme économique en 18 mois. Ou pas qu'a développer secteur touristique en 18 mois. Yes. Mais tout au moins ça qui est urgent, qui capable permettre un soulagement qui gagne par rapport à l'autre yo, qui c'est sécurité yo, bon c'est que faut qu'il capable attaquer et adresser sans euphorie, sans hypocrisie. Amis auditeurs. Mais vous remarquez guerrier que moi toujours dit Gary Conny, il m'a pas parlé de conseil présidentiel transition. Pour qui ça m'a pas parlé de conseil présidentiel transition, c'est pas blier m'lier, ni c'est pas une erreur que me fait que m'a mentionné dans ça m'a dit. C'est parce que en tout début de l'intervention pas moi m'a expliqué nous que conseil présidentiel transition hein, li en mode blocage qui donc li gen de grandes difficultés pour que li adresse de problèmes qui urgent pour nation. Il y a de grandes difficultés pour qu'il prenne des décisions qui capable adresser un ensemble de malaise qui gagne dans la société. Et un facteur qui est très important faut que nous capitaliser sur lui, c'est le temps. Ni CPT ni gouvernement Gary Conny ils ont gagné jusqu'à 7 février 2026. Pour plier bagage. Yes. Et il y a de grands chantiers qui devant eux, tant que réforme constitutionnelle, dialogue national, élection, etc. C'est de chantiers Mdakadi qui méritaient un pile temps et qui méritaient tout, un pile effort et un pile sacrifice. Et tout ça n'est pas possible sans pas attaquer, attaquer pour résoudre le problème insécurité. Insécurité. Maintenant, qui m'a à l'aise qui gagne dans ce CPT hein? Depuis dénonciation, désormais président du conseil d'administration BNC, Raoul Pierre-Louis, CPT a nos malaises qui fait que le PAC a avancé sur rien. Nous avons dit ça la semaine dernière, il n'y a pas même qu'à nommer directeur général dans le moment que nous avons parlé là, alors que c'est le bail qui est supposé être fait rapide, vite, pour payer à fonctionner. Heureusement, directeur général de la police l'a dit, mais sinon, il y a un gros handicap dans le niveau ça. Tu as un gros problème. CPT1 obligé justement à attendre qui ça que les gens qui mettent le lieu capable de décider de lui, puisque le blocage là, CPT1 n'a pas résolu de par lui-même. Pour qui ça? C'est parce que j'aimerais bien dire dans. Intervention que m'a fait dans la presse. Ouais, on a un grave problème pays à gagner. C'est le fait que Haïtiens ont toujours développé des rapports controversés avec la loi, avec ça que l'entend ni sous lui. Ouais, c'est à 3 avril, il était publié normalement et c'est l'icté boussole Conseil présidentiel la vraie. Blocage ça je dis en là, il pas tapé poser non. Parce que dans accord 3 avril là il était prévu en majorité 4 conseillers qui ont droit de vote et sous 7. Sous 7. Voilà que il y a deux artifices que M. Ovin fait par la suite. Il a changé dans l'autre document. Il a mis le 5 sur 7. Qu'on y a qui s'est passé au niveau CPT là? Qui fait que CPT n'a pas demandé mon démissionner. Résolution n'a pas passé. Résolution n'a pas passé. Parce qu'il n'y a pas de majorité. Puisque il n'y a pas de majorité. Ça va bien. Parce que toi monsieur on va pas voter. Il va voter contre toi. C'est même blocage pays à côté lié. Trois conseillers on pas jamais voter contre toi. On a besoin 5 sur 7 comme majorité qui pour voter.
Voilà que de vous retirer 3 arrêter 4 automatiquement son situation de blocage. Et c'est ça qu'il faut que tout malaise qui gagne en dans CEPA et pardon CPT comme ça, il pas qu'à adresser véritablement. Grand pile monde qui dit bon, pourquoi ça CPT en pas tranché vous monsieur Ali, il pas capable. Parce que youn monsieur jusqu'à minute que n'a parlé là, pas entendre démissionner tout. Ou pas Gilles Pitou al crier dans métropole. Au lieu que comprendre, li mette console dans taille, il y a des problèmes non. Smith Augustin clairement indiqué semaine dernière là que le pape démissionnait. Bon, c'est yes. Peut-être vertilaire que beaucoup tendent autour de ça. Ce n'est pas vraiment opiné. Oui, ce n'est pas vraiment opiné autour mais de ça. Mais tout est allé devant mm-hmm. ULCC. Oui, ils tout est allé devant ULCC. Mm-hmm. Alors, ça ne veut pas dire que ça a reproché, c'est vrai, non? En toute logique, c'est le résultat d'enquête là qui va le déterminer si tu as une corruption ou bien si tu n'as pas de corruption. Mais entre-temps, il est important pour nous souligner que deux chantiers que le pays a besoin qui allaient vite, tout obligé de bloquer dans le moment là. Tout obligé de bloquer dans le moment là, parce que CPT1 n'est pas qu'à agir véritablement. Maintenant, comme dans la semaine ça, guerrier, alors semaine dernière là, il y a les amis notre personnalité de CARICOM qui viennent visiter eux. Dossier ça a été sous table. Alors par contre, qui est-ce qui a dit vérité là-dedans? Qui est-ce qui a dit mentir là-dedans? Parce qu'il y a deux mondes qui disent que éminente personnalité au moment que monsieur mette corps sous côté. Qui dit c'est pas vrai. Mm-hmm. Yeah. Et semaine ça, on se souligne ça en titre tout à l'heure. Le 5 septembre qui a venu là, secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a pris en Haïti et parmi les dossiers que l'a pas abordé, dossier ci là. Oui. Il a parlé sur ça. Et pas oublier que Anthony Blinken et CARICOM, c'est deux entités dans l'international Amdaradi qui permettent que nous gagnions le Conseil présidentiel de transition. Ça là. Mm-hmm. Maintenant, monsieur, il y a un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Et, Mounza Otou, il y a une décision que vous prenez tout. Est-ce que c'est vous-même qui pouvez aller la décision finale là, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est vous-même qui est capable de faire tout? En tout cas, nous ne connaissons pas, mais jusqu'à maintenant, il y a eu deux démarches qui ont fait dans ce sens. Et c'est sûr que, après deux visites, ça a gagné automatiquement une décision qui sortit. Après départ, Anthony Blinken a une décision forcément qui a sorti. Est-ce que son décision qui a dit adelante? Est-ce que son décision qui a dit que monsieur a retiré quoi? Nous ne connaissons. Mais entre-temps, j'ai souligné le langage, PIA. L'inon situation urgence qui m'a dit que l'État a agi pour débloquer la situation. Voilà que l'État pour agir, c'est lui-même qui te bloque tête. Est-ce que vous comprenez? L'État pour agir, c'est lui-même qui bloque tête. Et, pas oublier que nous avons une situation côté que nous avons un exécutif bicéphale. Il y a deux décisions qui pour prendre là, par exemple. C'est exécutif, bicéphale là pour prendre. Ça veut dire que c'est CPT1 plus Premier ministre Gary Conille qui pour prendre. On dit que nous sommes dans une situation côté que faut qu'on convoque le peuple en ses commissions. Qui est-ce qui a fait ça dans le moment? C'est CPT qui a dû faire. CPT qui a dû faire, mais comment l'a fait, je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Comment l'a fait, je veux dire? D'ailleurs, nous sommes dans une situation où nous nommons directeur général qui n'est pas qu'à nommer parce que CPT n'est pas qu'à prononcer l'autre de ça. Ça veut dire que, pour moi-même, question blocage CPT, je ne sais pas comment l'a adressé, je ne sais pas qui est-ce qui a adressé le tout. Puisque, même encore que monsieur a décidé de signer, qui se boussole par là, il a décidé de mettre le sous-côté, et puis créer une situation aujourd'hui là, qui permet que, peut-être pas là, comme monde qui a maillé l'État dans le aujourd'hui là, il n'y a pas à poser de actions qui calibrées justement, avec et aspiration que le pays a lui-même gagne. Maintenant, pour nous retourner, est-ce que le Premier ministre Gary Conille a avancé pour Col? Même Jean, le Premier ministre Ariel Henry était exécutif monocéphale avec le plein pouvoir? Non. Puisque de toute évidence, le Premier ministre Gary Conille a tiré émanation de CPT1. Aucun doit dire tout sauvé, c'est blanc qui est imposé, etc. Mais quelque part, c'est CPT1 qui place. Ouais. Comme CPT1 place, guerrier,
et comme urgence yo yo en pile, comment avancer jodi yo là, puisque échéance yo, c'est vrai que ne pas adresser tout problème yo dans 18 mois, j'ai que me dit là, mais tout au moins gagnon soulagement et bien dit un soulagement capoté en 18 mois. Par exemple, question misère qui gagne souterrain là. Si jamais les grands chantiers de l'État lancés et que gagne deux projets qui a fait comme a circulé, on a plus ou moins un petit moyen. Donc je veux dire les boulots, les voix qui participent dans tout le président, nek sa yo nous pas oublier yo men. Matelik participer dans tout le président, nous pas oublier yo men. Ouais, si on va faire ça, on va fusiller président et premier ministre encore. Ah oui. Ah oui. Parce que l'intérieur va changer. Mais on va dans le client. On va vous faire menace sous Biden. Il y a au même côté. Ouais. Parce que l'intérieur va changer. Nous ne pouvons pas entendre blanc. Blanc qui a contrôle le dossier, c'est des blancs volés qui besoin de voler sa campagne de pays d'Haïti. Très bien. Il y a des qui lâchent. Qui paie, yo pa di bagay yo. Très bien. Bon, de toute façon, moi c'est que et Gary Koni qui là, comme c'est décidé dans qui direction on va aller. Et si monsieur pas prend direction pour le prendre, monsieur a tombé dans fin mois de novembre là. Moi répétez ça deux fois. Vous avez dit ça déjà dans dernière intervention donc. La politique, l'on une situation en fonction de paramètres yo. Développer trois ou deux scénarios. Donc, je ne veux dire, nos priorités sont simples. Le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel, et justice pour le président, nous qui est tiré avec le système judiciaire qui est là, que les criminels prennent le contrôle pendant 3 ans qui sont passés. Pas aucune justice qui a fait dans le non. Ton juste système judiciaire, même Jean-Paul Salvador, qui mérite ton nettoyage à 80%. Très bien. Très bien. Donc nous-mêmes, c'est comme ça, nous faisons diagnostic, là, nous avons prescription, nous mettons virant en rond, ou une solution pas compliquée. Ou il y a un cigare connu, mettez garçon sous lit, et on fait des transitions qu'il a, son bail illégal qu'elle vient pas dans la constitution, non? Bien. Si je suis très clair, les autres au président, si pas gagne au Parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre qui a dirigé jusqu'à ce que l'élection fait. Bien. Donc les blancs viennent au conseil de transition, c'est eux-mêmes qui ont manqué des gars. Si vous avez qui vivent Biden ici, c'est Kamala Harris qui a monté, c'est la Constitution. Si vous avez qui vivent Kamala Harris, c'est le président de la Chambre des députés qui a monté. Si on va écrire chez le président, chez le député, c'est le secrétaire d'État américain qui devient président. C'est sa constitution, je dis. Constitution, là, quand elle nous claire, son premier ministre, tout le temps, on va mettre sous côté là, c'est pour empêcher de gouverner. Donc, je veux dire, il y a 13 millions d'Haïtiens qui ont souffert en Haïti et 4 millions 200 000 dans la diaspora qui ont souffert. Petit groupe oligarque, à deux, trois policiers, qui sont ici dans le Port-au-Prince. Dans 3 ans qui se passent, 50 milliards de gouttes, l'État ici n'est écrasé. Combien de gens construisent? Comment ils ont aidé l'agriculture? Comment ils ont aidé à entrer l'école? Comment ils ont aidé à aller les contrater? Et pour ça, tu es président. Les 650 milliards de gouttes n'est écrasé. En 3 ans qui se passent, il a des taxes de plat, il a commencé dans le marché, dans les commerçants. Non mais chauffeur taxi, non mais infirmière, professeur l'école, journaliste. Et là, je nous n'ai ramassé 650 milliards de gouttes qu'à l'amène oligarque à politicien en 3 ans. Très bien. Pour un pays à mourir dans mes nous. Bien pour ma soupirée. Nous nous disons, moi m'a dit, jeune qui dans la ria, c'est où que mettre tout. Regardez ça, on fait Bangladesh. Regardez la vidéo Bangladesh sur YouTube. Les jeunes qui ont un gouvernement qui a maspiné. Qui ça vous fait? Vous prenez la rue et puis vous mettez un président qui va organiser les élections. Clair. C'est un dossier qui a mis des juges pour faire un rapport corrompu, protéger les oligarques criminels, alors les politiciens criminels, protéger les gens qui ont été qui prévient le président de la Cour. Stanley! Ok. Non, son rectification, il a fait pour tout petit. Afe la kayo, vintye président la kayo nou. Le ou vintye président la kayo nou, gen yon nan soldat colombien ki sauve yo,
c'est ce domaine qui passe pour la Jamaïque. Et puis Dominique a beaucoup bonne explication sur qui j'en quitte moun passe la caille, vint tuer président la caille. Oui, Stanley, son rectification tout petit, oui, Stanley. Et ou dit c'est président Jovenel qui te mette Josué Pierre, lui. Mais non, c'est. Ou batte de m'kia là? Stanley, ou batte de m'kia là? Alors, gars. En fait, sous Jovenel, c'était Lionel Valbouin qui était secrétaire général. C'était Lionel Valbouin. C'est agronome. Josué Pierre lui n'a pas parlé même. Josué Pierre lui c'est oui, c'est Josué Pierre lui ce soir Ariel, c'est pas sous Jovenel. Où dit Jovenel qui mettait là? C'est Ariel, ce soir Ariel. C'est soir Ariel lui n'a pas parlé. Ah ben justement. Ah, bah, d'après vous, c'est Ariel mettait général. Bon, en tout cas. OK. Bon. Et tu précises ça de besoin, oui. Bon livre que nous écrit. Nous invité jeune yo. Al checker livre ça, lire le rêve assassiné, bon livre qui presque fini. Mélodia, Gary Conny doit dire la jeunesse très clair. Qui l'a rétabli la sécurité? L'action yo, non timetable, qui timetable, ça veut dire calendrier électoral là qui ça va lier. C'est ça qui est important pour nous. Qui l'est? Il y a nettoyé le système judiciaire avec juge compris qui donne nous rapport que nous connaissons. Et juge que. Comment est-ce que c'est encore? N'est-ce que le secrétaire général parle là? Et c'est nous aussi avec Beto Dossé qui contrôle les juges, qui fait écrire le rapport qu'il écrit là. A innocent, on c'est des vagabonds qui nous tient président. Très bien. On parle de Jésus Pierre. Nous besoin de paquet pour ça pour camper pour pays. Dis-moi là. Président Jovenel mettait monsieur là. C'est un anglais qui l'a habillé. Et l'après le killing Jovenel Moïse avait dit que des étrangers et dominicains, colombiens qui explication pour ban nous, là tu es président la caille nous. Très bien. Merci en pile Stanley Lucas, merci en pile nous te contentons de matin. Ah mon cher, c'est un plaisir et moi dis jeune qui gagne entre 15 et 35 ans yo. Et si c'est pas nous même qui prend pays nous en main. Et nous ne pas aller aucun côté n'a dit. Bien. Et les politiciens, les gens système organisé, ils ont exclu 9 autres départements géographiques qui sont petit groupe oligarque à politiciens qui chita dans Port-au-Prince et qui mettent code dans le coup, respect IA. Pour nous éclater chez ça. Bonjour, ben nous sommes là, Loukou. Nous saluons, députés, nous saluons toute l'équipe. Enfin, voilà, et puis nous saluons auditeurs. Bonjour, ben nous sommes là. Merci en pile. Ou même tout, Stanley, merci en pile. Stanley, c'est national, c'est deux, trois politiciens qui prennent l'ordre dans les oligarques, qui prennent l'ordre, qui prennent chita, dans l'atelier, dans plénière, publier des papiers, publier déjà, et puis les oligarques qui contrôlent, ou pas même où elle lit. Et, ou pas songer les bailotés qu'on a fait, qui j'en boulot, c'est après les ficelles. Et, peuple haïtien, nous demandons maintenant, pouvez-le, plaignant, pas pouvez-le. Il n'y a pas de trafic d'influence. Peuple haïtien, comprendre. Je pense que c'est comprendre tout. Mais je ne peux pas faire une influence. Et puis d'abord, pas normal qu'on m'a fait débat sur un bagage que nous voulons pour la lumière sous lui. Ce qu'on fait là, c'est lui-même qui est capable de trafic d'influence. Ça a quel sens? On m'a imposé PAM. Nous avons eu le même narratif, son bagage qui montait de toutes pièces. Nous connaissons que c'est PAM même nègre là qui était plaignant. Donc cela veut dire, excusez-moi, chers auditrices, auditeurs, ça qui est plus important, mon ami, c'est lumière panne, éclairage nous porter. Très bien.
on pose une trois questions sur ça. Nous allons finir une dernière question. Parce que c'est moi-même même dit pas supposé pour me donner pas. Bon besoin dernière question ça. Dernière question ça. Parce qu'on prime deux coups mais il est important pour parler pour me porter lumière pour peuple là. Et comme au bon espace à tout monde l'autre question santé publique là. On va parler, on va poser une dernière question ça sur question et dossier ça. Est-ce que aller nous dans ULCC li gagne un rapport avec une rencontre qui était faite entre CARICOM avec représentant nous trois conseillers ça côté que yo mandé pour écarter nous et que nous même nous courir descendre ULCC. Est-ce que ça gagne un rapport à rencontre CARICOM là? Du tout pas, du tout. M'a dit nous clairement CARICOM dans dossier ça li toujours dit li pas gagne pour intervenir, c'est une question haïtienne. Vous comprenez? CARICOM ne peut pas comporter par l'autre gens si on arbitre que CARICOM y est. Question pour nous descendre, non, c'est parce que nous rendons compte dans pile l'autre tractation politique qu'a fait. Nous devons mettre fin à la question ça. Pour ça tout, nous répétons les justice haïtienne, tout le monde connaît comment lié. Mais ça qui est plus important, nous soulager la famille, nous, amis, nous. Moun ki apprécie nous, les ouais, malgré statut nous comme président prérogative présidentielle, dans le pot lumière sous question. Qui te mouette là, tant prie Romane. Parce que le a fait la guerre, et oui, ça pas chance pas m'en tout. Mm-hmm. Santé publique, qui sa problème vous voulez poser aïe? Mon cher Romane, mon problème, mon ka fait tout coûte. Si qu'on est moins qu'on est, on discontinuité, on dit mon créole là, d'un pile monde qui tape un médicament contre tuberculose et HIV, le fait que sanatorium bloqué, le fait que j'ai bloqué l'hôpital général bloqué, disons, il est tombé dans mes bandits, bon, c'est ça lié. Ils ont contrôlé, non pas par l'État haïtien, eh bien, ça vient de faire que, il y a un pile là, qui pas même des moyens pour monter dans la zone côté, il y a possibilité pour prendre des médicaments, mais il y a un pile là, qui est chassé dans la zone Kafoufeuille, tout en bas, ils ont couru aller dans des sites de déplacés, dans la zone déplacée, ça, yo. Il est important pour nous faire vêtir parce que l'or prend maladie tuberculose. Parce que toute maladie qui est sanatorium, tout ça qui est dans le sanatorium, il court derrière, il y a une zone déplacée. Et l'or campé médicament tuberculose là, il y a l'autre tuberculose qui est tuberculose résistante. Et tuberculose résistante là, c'est difficile pour le traiter. Et là où transmettre à l'autre monde, c'est tuberculose résistante là même pour transmettre. Vous connaissez la valasse, toujours la valasse. Dès qu'on prend monsieur en charge, lors du croisé, il dit attention, je passe en tout en forme. Il dit oui, il n'y a pas de chance pour le prendre médicament ça y est encore. Donc ça vient fait que monsieur charge virale a vient négative, a vient positive. Ça veut dire la 430 maladie. Oh monsieur jeune garçon toujours. Radio-mique. Bon jeune garçon. Donc il y a possibilité pour venir une recrudescence de maladie hein, malgré tout effort ministère santé publique, organisation internationale, organisation nationale. Ma parole cité non pour pas faire jalousie. Mais tout le monde te mette main, il te réduit et c'est au positif yo, à 150 000 dans le pays, il y a 50 000 seulement au niveau de la zone métropolitaine. Je vous dis, avec problème de sécurité, ça, il est inaccessible médicaments retrouvés pour le monde. Or, il y a une activité sexuelle. Donc, si ça fait que nous tirons sur une alarme, ça, nous poussons cri d'alarme, ça, pour nous voir comment le premier ministre Garry Conille, le ministre
Georges Brignol, Basile de Kok, résistant lié, et pas Basile de Kok qui était là en vent. Donc, sous les gens qui ont pas fait une prise en charge rapide de eux, sous vous et les gens qui ont géré, vous voyez au Gonaï, vous voyez au Cap, la zone est allée à la dangereuse. Tandis que c'est même bagala, même pour Sida. L'on est séropositif ou l'on fait séropositif, l'on prend médicament, charge virale là qu'on vient négative. Mon bon ami, c'est même sacrivé. Il y a 4 ans, charge virale était positive, c'est-à-dire, il était qu'à transmettre mon lit, il vient prendre antirétroviraux. La clinique même de guet en référel, et c'est juste que le tape parce que son ancien, son membre famille avec moi. Mais c'est vous-même qui avez opérationnalité ça. Comment le plus vite que possible, nous avons vetting au niveau de centre déplacé et même au niveau de population. Même penser qu'on nous a fait investigation massive, on vetting massif. Même qu'à obligé de faire cibler, même comme population par en pile en centre déplacé et dans les environs, pour nous voir comment nous avons retracé les gens et refaire les médicaments pour nous éviter que des jeunes et des gens. Même à profiter pour nous dire tout. Nous avons un groupe d'amis, une organisation qui est dans le 21 décembre. Je profite pour me saluer Aurélius Wilfa et son équipe. Il y a plusieurs médecins. Ils font une clinique mobile l'autre jour. Et la clinique mobile, ils ont tout fait dépistage. Ils ne peuvent pas alerter la population. Bagala sérieux. Mais catastrophique même. Même penser que même j'ai noté gourmet contre maladie ça. Grâce à l'organisation internationale, grâce à l'organisation nationale. Grâce à la bataille, tout le monde connaît, j'ai ce qu'il y a fait. Je suis trois organisations, papa, puis on ne pas dire. Je ne vais pas faire jalousie. Mais je connais que la bataille, ça va nous redoubler le plus vite que possible. Ou si nous allons continuer, ça peut commencer à faire là, côté. Il y a un rêve, Mounio, c'est près de 95%, c'est-à-dire, pour nous, c'est 95% de la population qui teste, les sous 100 personnes qui ne peuvent pas avoir maladie. Ça. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, parce que c'est pays nous, et nous avons souhaité que rapidement, nous prenions ça en charge pour nous limiter les dégâts. Parce que nous sommes capables de nous mettre ensemble et de nous faire des choses ensemble. En disant que moi, un docteur Gilles qui a lancé des messages, lancé des cris d'alarme, comme quoi ce n'est pas lui le chef. Quand on a mis en posture chef là, qui sont en café, qui sont prêts à le faire ou même? Très bien. Très bien. Radio Omega. Ma préaplo, lorsqu'on président, opération d'un médicament aux mêmes gens, rapidement, il faut nous côté pour nous placer mon saillot. C'est ce travail ça qu'a fait là. C'est ce travail ça l'a fait déjà, tant qu'on dit, mais je ne pas faire le pour contre moi. Le premier ministre impliqué, heureusement, son médecin que lié. Il faut que le ministre santé a impliqué. Et je pense que c'est des gens qui ont conscience de danger ça qui gagne. Et laisse ça me penser. Des partenaires internationaux, des partenaires nationaux qui mènent en pile bataille déjà contre maladie ça yo, à permettre que rapidement ils prennent ça en charge pour éviter catastrophe humanitaire ça qui arrive dans le pays. Il y a une structure qui est le Fona pour vivre qui dit qu'il y a environ 1000 personnes qui vivent avec le virus là dans le camp, mais moi, je ne vais pas venir stigmatiser. Gros cause. Je ne vais pas faire stigmatisation. Même manger ou pas joindre. Eh bien, en termes de question, même manger ça, les organisations internationales et nationales, nous connaissons qui va prendre ça en charge, parce que l'insécurité a tellement créé, augmenté la misère dans le pays. Tout. C'est ça, fait me dit, jeune, ça y est, qui a des âmes dans mes yeux, dans mes consciences, pas revenir à eux-mêmes, mais revenir à le gouvernement. Donc, ça, je vais le faire. Je pense que ce même ça, nous allons essayer, nous allons inviter le Premier ministre et le ministre de la Santé publique là,
pour nous présenter une possibilité pour nous, comment nous avons fait une investigation au niveau de zone ça yo qui ciblé yo pour un bon matin pour nous comment même yo dit si j'en n'a parti là pays à ca victime plus repenser à Haïti parce que ouais mon qu'on a convient m'a même parler de ça c'est parce que m'pas lui faire stigmatisation fuck yo joine manger l'organe maladie ça tuberculose sida et moun qui fait sida facilement ka attraper il développer tuberculose nous connait ça donc li important pour organisation question alimentaire qui organisation qui sous question nutrition organisation haïtienne qui connait côté qui cheu ba moun pour nous augmenter et me penser pour me réunir comme il en logique ça tout il était parlé ça avec il y a un certain temps. Donc, je pense qu'il est temps que nous mettions les bouchées doubles pour nous permettre que les gens jouent manger, jouent médicaments, parce que les médicaments, ça ne leur prend pas manger. C'est pas terrible. Et monsieur, c'est nous capables, parce que nous aimons Haïti, nous tous, malgré tentative ou être capables de nous déplacer, on va nous déplacer pour aller, pour côté nous pour le voir, parce que c'est dans l'école, yo. C'est dans des espaces publics, il faut libérer. Avant nous prendre mesure ça, nous parlons ensemble pour nous comment nous mettre des cliniques mobiles sérieuses, rapides, pour tant que nos jeunes là qui commencent à faire, pour nous comment nous permettre que nous cerner le problème là, pour nous porter solution le plus vite que possible. Parce que y a un monde, par exemple, qui nous constate qu'il y a tel centre pour question de tuberculose, il faut avoir le courage de profiter pour me dire ça, dire oui.